C'est parti pour la recette de la tartiflette de Manu. Il manque un truc. Hey! Voilà. La tartifletta de Manu. Non, c'est pas italien. Pour cette tartiflette, il va vous falloir des oignons, de la poitrine fumée, du vin blanc et un reblochon. Deux reblochons et demi. Et enfin, un peu d'ail. C'est bon. Les patates? J'en ai pas acheté. J'ai pas acheté les patates. Mais non. Et voilà. J'ai acheté les pommes de terre que j'avais oubliées. On va commencer avec la poitrine fumée. On la découpe pour faire des lardons. Hop, 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 hop. Et voilà. On va les passer à la poêle. À feu vif, on met tous les lardons. Che bella della lardone! C'est toujours pas italien. Pendant que les lardons cuisent, on va s'occuper des oignons. Voilà, le classique. Le classique, évidemment, avec les oignons. Ah la vache! Pendant ce temps-là, tranquillement les lardons. Ils sont bien cuits, tout va bien. Et maintenant, le truc, c'est que le gras des lardons, il doit rester dans la poêle parce qu'il va servir pour faire cuire les oignons. Ah, el pasta di ravioli. Pardon, c'est pas italien. L'huile des lardons, c'est parti, les oignons. Si on épluche les patates, ça me rappelle l'armée. Bah, t'as pas fait l'armée? Ah oui, j'ai pas fait l'armée. Hey, ça avance. Comme à l'armée. T'as pas fait l'armée. J'ai pas fait l'armée. Et on continue aussi à faire cuire en même temps les oignons. Il est temps de mettre un peu de vin blanc, c'est parti. Et on continue à faire chauffer. Et c'est fini pour les pommes de terre. Terminé, comme à l'armée. Oh mais t'as pas fait l'armée. J'ai pas fait l'armée. Allez, on va les faire cuire. Et maintenant, le reblochon. On va le couper en tranches, comme ça. Ça te rappelle l'armée? J'ai pas fait l'armée. Et voilà, deux reblochons et demi. Là, les oignons, c'est carrément terminé. Donc, du coup, je vais rajouter les lardons. Et un peu de vin blanc. Perfetto, des raviolitos, si maché. Ça y est, les patates sont cuites. Dernière opération, montage de la tartiflette. Le mélange, les oignons avec les lardons, les pommes de terre et reblochons. Avant de tout mettre, on va frotter l'ail partout sur le plat. On va faire les couches. Première couche, mélange, oignon lardon. Deuxième couche, pommes de terre. On met par-dessus la couche de pommes de terre. Et là, couche de reblochon. Voilà. Et là, on se dit, c'est fini. Non, parce qu'on va refaire la même chose maintenant. Et voilà. Cuisson au four, 180 degrés pendant 20 minutes. Attention. Oh la tarte.